Dans un audio, Maeva Ghennam affirme avoir été menacée par Gims suite à ses propos sur les réseaux sociaux qu'elle a tenus il y a plusieurs mois. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour la news. Pour ceux qui ne se rappellent plus des propos qu'elle a tenus envers Gims, je vous mets la vidéo en question. Et voici l'audio dans laquelle elle affirme que Gims l'a menacée. C'est Maeva, c'est la merde parce que t'as vu hier, j'étais bourrée et j'ai fait un snap, j'ai dit Maître Gims va niquer ta mère, je suis une pirate et tout. Et du coup là, il prend l'avion, il arrive à Dubaï, il va voir le shir et en fait il m'a menacé, il m'a dit que en fait il allait me faire sauter mon visa et qu'il allait me mettre en prison. Bref, j'ai trop la pression, je suis pas bien, je fais que pleurer parce que moi en vrai, enfin tout. Parce qu'en vrai, moi, ses sons, tu vois, lui, je l'écoute pas. Moi, dans ma story Snap, j'écoute que tes sons H24. Et même quand on s'était embrouillé, j'avais arrêté pendant 24 heures. Et après, j'arrivais pas parce que j'aime trop tes sons. Bref. Marc, il est venu à la maison, il veut me faire la misère sur les réseaux sociaux alors que, enfin, tu vois, j'ai rien fait. Et en fait, il m'a demandé, il m'a dit que, en gros, il m'a dit, c'est soit je lui fais des excuses publiques ou alors il porte plainte contre moi et je vais en prison et il m'enlève mon visa. Et du coup, moi, je lui ai dit, ben, ok, je fais un truc à l'écrit, tu vois, vite fait. Du coup, j'ai été obligée de mettre une story où je chante avec sa musique, où il m'a fait partager son disque d'or là en photo et tout. Et il m'a demandé, je dois faire la promo, je sais pas quoi, sur ce qu'il m'a raconté. Bref, voilà, je suis dans la merde. Marc, s'il te plaît, dis à Booba que je l'aime trop et que moi je suis de son côté. J'écoute que Booba, je m'en bats les couilles de Maître Gims, je l'ai jamais écouté. Mais ces fils de pute, ils m'ont mis la pression. Allô, ils veulent me mettre en prison, ils veulent m'enlever mon visa de Dubaï. Je suis dans la merde. Oh, mais tu aimes par les couilles, ce gros bâtard. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai tout ce que Maeva a dit dans l'audio? Dites-moi ça en commentaire. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.